tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul nose. Trouver ce que je voulais trouver en fait. Une copine m'a dit va voir à nose, il y a un arrivage vêtements bébé. Mais j'ai pas trouvé, non, je n'ai pas trouvé de vêtements bébé. Voilà. J'ai vu une grenouillère, mais enfin 15 euros la grenouillère. Je me suis dit on est à nose, on n'est pas à nose. Et bon, bah ça restait une petite grenouillère. Puis bon, c'est très genré. Et vu que je ne sais pas encore si c'est un garçon ou une fille, je préfère pas me mouiller trop, quoi. Voilà. Donc, puis de toute manière, je l'ai trouvé trop cher. Il y avait d'autres petits vêtements, mais là, ça n'allait pas non plus niveau des tailles. Et bah, c'est trop genré. Soit c'est saumon, soit c'est rose, soit c'est bleu. Donc, non. Voilà. Donc c'est pas grave de toute manière, j'ai encore le temps, mais largement le temps. Et les raideries vont recommencer, donc voilà, je m'inquiète pas trop pour bébé 2. On aura ce qu'il faut, je pense, de toute manière. Et ma copine m'a déjà filé quelques petits trucs en un mois, des petits bodys, des petits trucs. Donc ça va aller de toute manière, je ne m'inquiète pas du tout. Donc j'ai mon ticket de caisse à proximité, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à nose et prochainement vous verrez un haul action parce que bah voilà, j'ai été faire un petit tour action et je crois que c'est la première fois que je m'en tire pour aussi cher action, mais je vous expliquerai le pourquoi du comment. Alors tout d'abord je me suis pris un balai. Super. Balai plastique, je voulais tester un petit peu parce que nous le sol c'est que du lino partout à la maison. Et bah moi je perds énormément mes cheveux. Ouais, même pendant la grossesse. Là ça recommence, je recommence à les perdre. Les trois premiers mois ça allait. Voilà, ça repoussait bien, il tenait bien. Mais voilà. Les ongles aussi ça allait bien, mais là ça recommence à casser. Donc voilà. Enfin bon bref. Donc je perds mes cheveux et le chat perd ses poils toute l'année. Donc je me suis dit peut-être que ça va peut-être nous aider à mieux ramasser les poils par terre et tout que le balai lambda où ça continue à voler quand même. Donc j'ai voulu tenter ça. Ça m'a coûté quoi, 3,50 €. Donc on va voir, on va tester ça. Moi je l'ai pris en bleu. Alors je me suis dit si je le prends en rose, il voudra peut-être pas le passer. Enfin bon bref, j'ai pris ça. J'ai pris une petite boîte de pommes de terre de chez Dossi, ça m'a coûté 79 centimes. Mais la date là, ça arrive à date, je crois c'est en mai, c'est pour ça que j'en ai pas pris plus. Voilà, petit bout, elle me dit manger des petites pommes de terre de temps en temps quand j'ai pas vraiment le temps de lui faire moi-même. Voilà, petite boîte. Pour baby 2, j'ai trouvé un petit coffret de livres comme ceci, Disney, donc Disney Baby, 12 livres tout en carton. J'en ai déjà un comme ça, Cars, que j'avais acheté sur Vinted pour Liam. D'ailleurs, il est disponible à nose. Actuellement, il y a Cars, il y a Frozen, Spider-Man aussi, je crois. Donc j'ai pris celui-ci. Vous avez tous ces petits livres à l'intérieur, il y a quelques petites pages, mais bon, c'est cartonné, c'est plein de couleurs. Je sais que Liam a adoré, enfin, il demande encore à regarder de temps en temps ceux de Cars. Donc, je me suis dit que ça pourrait être bien pour petit bébé 2, d'avoir lui aussi sa première petite bibliothèque, voilà. Et voilà, il y a les formes, il y a les couleurs, il y a les mouvements, la nature, enfin... Je pense que ça peut être sympathique et sans carton ça risque pas grand chose. Et je sais pas trop combien ça m'a coûté celui-ci. Normalement neuf c'est 11,95 €. Et sur les livres, normalement j'ai eu moins 50, voire plus. Enfin normalement il me semble que c'était moins 50. Donc de toute façon je l'ai toujours payé moins cher. Alors, ensuite, toujours pour bébé 2, j'ai trouvé donc mon premier album de bébé. Pff. Celui de Liam, je l'ai même pas, il est même pas fait à fond, à fond, à fond. J'étais pas spécialement fan du... Mais bon, c'en est un que j'avais trouvé quoi, ou à Emmaüs, je crois. Je crois que c'est un Winnie l'ourson, je sais même plus, mais enfin, je l'ai pas vraiment mis à jour. Je suis pas...
Là, c'est pareil, je voulais prendre des photos de mon ventre tous les mois, mais même ça, je suis pas capable. Enfin, c'est. J'arrive pas à me poser et à faire ce que j'ai à faire en temps et en heure. Je commence un truc, je le finis pas. Enfin, ça va pas très bien dans ma tête. Je suis. Voilà, je suis fatiguée. Il y a un moment, je vais avoir un coup de boost, je vais faire un truc. Mais voilà, j'ai plein de choses à faire et. Là, je voulais lire une tonne de bouquins, mais j'arrive pas à me poser. Enfin bon. Donc j'ai trouvé celui-ci, je me suis dit bon on va voir, on va essayer de le faire. Hein. J'arrive à me poser à le faire, je verrai bien. Découper la première écho, tout ça. On va voir. Mais il y a des pages de spécial astrologie, vous avez des signes chinois et tout. Celui-ci, je l'ai eu à moins 60%. Et le prix de base, 12,95. Mais moi je l'ai trouvé sympathique. Bon là c'est un sous forme de petit classeur donc à voir si j'arrive à le choix du prénom. On n'y a pas vraiment réfléchi. Sans être typique de temps en temps, hier soir je me suis dit pourquoi on appelle le prépasse Janine si c'est une fille. Enfin voilà, vous voyez le genre. Le pauvre petit bébé qui est arrivé. Sinon pour Liam. Je lui ai retrouvé des petits livres sonores, il aime bien. Enfin, celui-ci, il est. Si, celui-ci, il est sonore. Sur les véhicules, forcément. Les véhicules, hein, je lui ai pris, hein, c'est ce qu'il préfère. Voilà, les voitures, tout ça. Hein, les bateaux, les avions, les trains. Il n'est pas très animaux, c'est ce qu'on disait avec son prof d'école. Hier lors de la réunion parents-prof, enfin voilà quoi. Il est pas animaux, il est pas. Il est voiture. Enfin bon. Donc je lui ai pris celui-ci et il n'y a plus les étiquettes, donc celui-ci, je sais plus trop à combien je l'ai eu, il me semble. Ça doit être du moins 50. Et le prix de base, 10,99. Ouais, celui-là, 10,99, il a moins 50. Celui-ci, moins 50 aussi, sur les 10,99. Et celui-ci, donc c'est sur les engins de chantier. Et celui-ci, ce n'est pas du bruit, mais c'est de la lumière. Je sais pas si vous voyez, ça s'est allumé. Les étoiles, là. Voilà. Donc, là, c'est de la lumière. Voilà. Vous avez les feux. Il faudra qu'on lui lise un petit peu l'histoire. Mais il a été un petit peu déçu que ce soit pas du bruit. Hein. Je vous le cache pas. Hein. Ensuite, je lui ai trouvé un petit puzzle. Cars, celui-là je crois que je l'ai eu à 1,99€. Voilà, 1,99€ le puzzle, il arrive à le faire. Il s'énerve un petit peu, mais il n'a pas encore compris que les parties plates, ça va sur le bord. Enfin bon. Donc je lui ai il y en avait des un peu plus grands, mais je me suis dit non. Non, non. Il va s'énerver, il va tout casser, c'est pas la peine. Donc voilà, je lui ai pris celui-ci. Et en dernier, j'ai pris un rouleau. À peinture pour 1,75€, sachant que j'en ai repris à Action, j'ai pris un kit, enfin bon bref, et que Doudou me dit qu'on en avait parce que j'aimerais bien repeindre les toilettes. Voilà, on a enlevé le papier peint depuis un bon bout de temps dans les toilettes. Je détestais le papier peint qui était dans nos toilettes. C'était un effet serpent, crocodile ou fou, je sais pas quoi. Oh, d'un vert douteux. Donc on l'a enlevé, mais enfin voilà. Logement social, les murs sont pas très 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 beaux. Voilà, donc je vais essayer de. J'aimerais bien repeindre. Mais bon, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo du hall Action. Parce que bon, bah, j'ai pris des trucs à Action pour justement repeindre les toilettes. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, je vais le prendre. Est-ce que je vais me servir de celui-là ou des autres? Je sais pas trop. Mais bon, si jamais on veut peindre, on a de quoi peindre. Donc, je sais plus ce que je disais avant d'être coupée par ma carte SD qui était pleine. Je me suis fait les ongles ce matin et c'est déjà en train de se défoncer. Voilà. Ma vie. Tu mets du vernis à séchage rapide et du top coat séchage rapide aussi. Mais non, ça se défonce. Voilà, donc c'est un petit peu énervant. Donc je disais que voilà, j'avais regardé s'il y avait des livres et j'ai pas trouvé de trucs
qui me plaisait et tout. Et de toute manière, bah, j'ai ce qu'il faut, on est d'accord. On va pas se le cacher. Hein. Voilà. Mais voilà, déçue de pas avoir trouvé des vêtements bébé. Voilà. Là, de toute manière, je vais chercher que du naissance pour l'instant. Je pense. Je pense pas que ce soit un gros bébé, hein, le premier. Ils me l'ont déclenché, il faisait que 2,8 kg, 800 et des bananes, donc voilà. Ce n'est pas le bébé qui est gros, c'est la maman. Hein? Allô? Enfin, je suis petite, donc oui, forcément, ça sort sur l'avant, donc j'avais un gros ventre et voilà. Gynéco pensait que j'allais avoir un gros bébé, mais oui, mais t'as pas fait la. Hein? Enfin, bon, bref. Donc oui, je vais chercher du naissance et même si. J'ai essayé de mettre du naissance à Liam et c'était trop petit et le 1 mois était trop grand, donc je sais pas trop en fait, mais bon, j'ai encore le temps de voir. Donc voilà pour le haul nose, j'espère que ça vous a plu et moi je vous retrouve très vite pour le haul action du coup. Ciao, bye bye.